L'audience est ouverte. Asseyez-vous. Alors, Valentin et Sofiane, levez-vous, venez devant la barre, s'il vous plaît. Alors, monsieur Valentin et monsieur Sofiane, lors de votre renvoi devant le tribunal pour enfants, car vous êtes poursuivis pour avoir le 10 mars 2017, en tout cas sur le territoire national et de biens non couverts par la prescription, en tant qu'auteur complice, ceux commis des violences aggravées ayant pris une unité supérieure à 8 jours en l'espèce de 20 jours sur la personne de monsieur Alexandre. Fait prévu et réprimé par les articles 222-1, 222-12 et 223-6 du Code pénal. Vous êtes d'accord avec vous, monsieur? Il est bien le procureur. Oui. J'appelle à la barre la victime Alexandra. Donc, bonjour madame. Bonjour. Alors vous appelez donc Alexandra, vous avez quel âge? 14 ans. Est-ce que nous dire ce qui s'est passé? Vous avez entendu donc ce qui a été dit par Valentin et par Sofiane? Je vais vous donner votre version. Alors, ma version des faits est la suivante. Donc, c'était lundi soir à 20h30, on sortait du judo. Et du coup, bah, j'ai alerté le professeur et du coup, Valentin s'était exclu. Et donc, pour lui, son exclusion, c'est de ma faute. Et du coup, donc, on était à la sortie du judo, enfin, dans le ministère. Il a commencé à m'insulter, il a commencé à me pousser, donc, du coup il m'a mis une baguette et j'ai pris des coups sur la tête, et c'était scotché. Il me semblait aussi qu'il y avait une deuxième personne, mais je n'ai pas fait attention à c'est qui. Il a également fait une prise de judo sur moi, à l'extérieur. Ce qui est totalement anormal. Du coup, il y a un monsieur qui a intervenu et je pense que sans ce monsieur-là, j'aurais été morte. Donc, pour recommencer, effectivement, la seule du coup, Valentin a reconnu les faits, il n'avait pas fait au moment de la procédure. Sofiane reconnaît qu'il vous a fait une balayette. Ou après vous l'avez reconnu, hein, la confrontation, voilà, le juge vous a demandé est-ce que la personne qui vous a fait la délégalité était dans la pièce, vous avez répondu oui, c'était lui, donc vous avez bien reconnu Sofiane. Donc vous reconnaissez bien ces deux personnes, Valentin et Sofiane, qui étaient bien présents, et ce sont bien eux qui vous ont agressé. C'est ça. D'accord. Mais là, c'est pour vous des questions. Moi, j'aimerais savoir, c'était quoi, Valentin, avant de se faire exprimer du judo, c'était pas moi, j'ai juste alerté le professeur. Alors bonjour mademoiselle, présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle. Vous avez quel âge? 15 ans. D'accord. On écoute votre témoignage, mademoiselle. Dites-nous ce que vous avez vu ou entendu. Mardi soir, en rentrant de chez ma grand-mère, qui a 23 ans. Allez-y. J'ai entendu crier du côté de la ruelle. En approchant, j'ai vu Valentin et un autre garçon que je ne connais pas, qui s'en prenait à Alexandra. J'ai vu Valentin mettre des claques et à Alexandra, le garçon que je ne connais pas, m'a dit « Dégage si tu ne veux pas de problème. » J'ai peur du moment que je suis partie. Donc je vais demander à madame l'assistante de me communiquer le rapport de la victime. Alexandra, il a été constaté que la clavicule de la victime était fracturée, l'annulaire gauche était cassé, l'arcade supérieure était ouverte et il a nécessité 3 points de tir. Elle a une commotion cérébrale due à un traumatisme. Donc en conclusion, l'analyse relève que Alexandra souffre de stress post-traumatique en lien avec son agression, des maux de tête persistants avec des problèmes de mémoire et de concentration, des troubles de douleur et un comportement qui a nécessité un jour d'idée. Alors bonjour monsieur, vous vous présentez s'il vous plaît, vous vous appelez? Bonjour.
Monsieur Dominique. D'accord, donc vous êtes éducateur au tribunal de Bobigny. C'est ça. Vous avez suivi du coup Alantin et Sofiane depuis le début de cette affaire. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comment était leur situation familiale et scolaire au moment des faits, s'il vous plaît? Je commence par Alantin. C'est un enfant d'une fratrie de 4. La maman est mère au foyer et le papa est en accident de travail depuis 2 ans maintenant. La famille rencontre de grosses difficultés financières. Le père est dépressif suite à son accident de travail et au fait qu'il ne peut plus travailler. Depuis ce temps-là, c'est là que Valentin a commencé à changer, d'après ce que nous dit la maman. Il sort beaucoup, il rentre tard et il n'écoute plus. Plus personne n'a d'autorité sur lui. Sofiane a déjà eu des soucis d'outrage, de rébellion avec les forces de l'ordre, de violence aussi. Et comme son père est alcoolique et assez négligent, ils ont une relation très difficile. Et d'après ce qu'il nous a dit, il n'attend que ses 18 ans pour quitter le chalet familial en compagnie de son petit frère pour essayer de sortir de cet engrenage-là. Et du coup, chacun souffre un peu dans son coin et le dialogue est rentré à l'autre. Sur le plan scolaire, Sofiane il a déjà été exclu du collège définitivement. À la suite, c'est une accumulation en fait. Il y a eu des vols, des jets de pierre, des comportements violents avec ses camarades ainsi que ses professeurs. Depuis, il est plus scolarisé. C'est dommage pour un jeune de 16 ans. Depuis les faits, un suivi éducatif a été mis en place. Sofiane souhaite même entrer dans le monde du travail, dans le cadre d'un apprentissage. Il a fait un stage en pâtisserie qui lui a beaucoup plu, donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose à faire. Son employeur est prêt à lui signer un contrat d'apprentissage. Et le suivi éducatif mis en place cette année lui a permis de reprendre confiance en soi et de s'envisager positivement dans son avenir personnel et professionnel. Donc du coup, il y a vraiment quelque chose à faire avec Sofiane, poursuivre dans cette voie-là avec son stage et son employeur, on pourrait, je pense, lui sortir de cet endroit de violence. Donc voilà pour ce que je veux dire. Merci beaucoup. On écoute votre prévoyance. Madame, monsieur, je suis la question de défendre les critères de l'appui à la travail salarié. Je tiens à vous faire part des points qui démontrent la culpabilité des prévenus. Valentin a frappé sur la tête et le corps. Alexandra a tenté de le repousser, mais ce frère-ci est mis aussi pour la frapper avec Valentin. Valentin a utilisé une prise de judo pour la frapper et se déchaîner sur Alexandra. Depuis cette affaire, Alexandra a eu 20 jours d'ITT. Clavicule fracturée, annulaire gauche cassée, l'arcade sourcilière ouverte, 2-3 points de suture, une commotion cérébrale due au traumatisme. Aujourd'hui, certes, ça va mieux grâce à la rééducation chez le kiné. Elle a consulté le psy afin d'encourager de lui se confier. Elle a toujours des crises d'angoisse, elle a peur de mourir. Monsieur le procureur, vos réquisitions. Oui, à vos retours. Alors, 3 enfermes et 1 enferme. Alors, pourquoi est-ce que vous demandez ces peines? Parce qu'ils les ont frappés et tout. D'accord. Donc vous êtes basé par rapport à l'article de loi 222-12 du code pénal. D'accord. Ça marche. Bah, je vous remercie, monsieur le procureur. Mesdames et messieurs du tribunal, je suis devant vous pour défendre les intérêts de mon client, monsieur Valentin. Dans cette affaire, je tiens à revenir sur les points qui permettent de démontrer que même si certains faits démontrent la culpabilité de mon client, je tiens à relever certains points importants du dossier. C'est pourquoi je vous demande, mesdames et messieurs, ou monsieur du tribunal, de bien vouloir tenir compte de ces faits et je vous demande la plus grande clémence envers mon client. Je vous en remercie.
Maître Maxime. Je suis devant vous pour défendre les intérêts de mon client, M. Sofiane. Dans cette affaire, je tiens à revenir sur les points qui permettent de démontrer que même si certains faits démontrent la culpabilité de mon client, je tiens à relever certains points importants du dossier. Mon client a une situation familiale compliquée. Sa mère est décédée il y a 2 ans dans un accident de voiture. Son père est alcoolique, il boit beaucoup et travaille la nuit. Donc pour Sofiane, c'est compliqué de s'occuper de son frère. Son employeur est prêt à lui signer un contrat d'apprentissage. Parce qu'il aime beaucoup ce métier. Et il dit qu'il regrette aussi d'avoir commis ces actes. C'est pourquoi je vous demande, mesdames ou messieurs du tribunal, de bien vouloir tenir compte de ces faits et vous demande la plus grande clémence envers mon client. Je vous en remercie. Venez devant là-bas. Monsieur Valentin, le tribunal vous, après en avoir délibéré et par débat contradictoire, déclare coupable des faits qui vous sont reprochés et vous condamne à une peine de 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis mis à l'épreuve. C'est-à-dire, vous aurez des obligations. Parmi ces obligations, vous avez l'obligation d'un placement, vu que dans la famille, vous n'écoutez pas. Il y aura également l'obligation de ne plus approcher d'Alexandra. Et il y aura également une obligation d'un suivi médical de quelque façon que ce soit par rapport à votre violence pour essayer de la gérer. Ça marche? Si vous ne respectez pas ces obligations, ce que le tribunal vous dit de faire, au lieu de faire que 6 mois, vous ferez tout, 12 mois. Si vous respectez ces obligations, vous direz 6 mois, le tribunal pourra voir éventuellement à savoir s'il ne peut pas y avoir une peine alternative, une autre forme de vous mettre en détention, si ce n'est la prison. Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Donc vous restez là, vous ne bougez pas, j'appelle Sofiane à la barre. Monsieur Sofiane, le tribunal, après avoir délibéré et par débat contradictoire, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés et vous condamne à la peine de 8 mois avec sursis et une mise sous protection judiciaire. Alors, je vous explique ce que c'est. La mise sous protection judiciaire, là, vu que maintenant aussi ça s'est passé après, on va la faire jusqu'à vos 21 ans. Étant donné qu'effectivement, on prend en compte ce qu'a dit votre avocat, que vous étiez, que c'est compliqué à la maison avec votre papa actuellement, du coup, il y aura un suivi avec un éducateur et vous aurez des rendez-vous avec le juge des enfants qui pourra vous prendre en charge, vous appuyer, vous aider pour vos projets futurs, etc. etc. Vous avez compris. Très bien.